Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une séance full body cardio. Donc on va travailler l'ensemble du corps avec cet exercice. Ça va être assez cardio, il va falloir s'accrocher par moment. Je viens de dire 7 exercices, on va faire 3 séries. Pour chaque exercice, on fera 30 secondes d'exercice, 30 secondes de pause avant de passer au suivant. Pour cette séance, vous avez besoin d'une serviette ou d'un torchon et d'un pack d'eau, ainsi que de la place pour vous mettre au sol. Vous pouvez aussi prendre un tapis, ce sera plus confortable pour le gainage. Pour chaque exercice, il y a des adaptations. Et l'idée, c'est que vous fassiez la séance à votre rythme. Donc 30 secondes d'exercice, 30 secondes de pause. Ce qui va changer en fonction d'une personne à l'autre, ça va être le nombre de répétitions faites dans ces 30 secondes. Mais il faut toujours chercher à en faire le maximum tant que l'exercice est bien fait. À un moment, dans les 30 secondes, si ça bloque, vous pouvez aussi prendre quelques secondes de récupération. Mais attention à ce que ça se transforme pas en quelques minutes. Je lance le chrono et on attaque. Premier exercice, 30 secondes de pompe. On va aller toucher l'épaule opposée en alternant droite et gauche. Pour les pompes, il faut faire attention à rester bien aligné. Épaule, bassin, genou, pas de pièce en l'air, pas de dos côte, ça peut être heureux. Si c'est trop difficile, vous pouvez le faire sur les genoux. En maintenant l'alignement, pas de pièce en l'air, pas de dos creusé, ça change pas. Et le principe reste le même, on va chercher l'épaule opposée à chaque fois. Donc 30 secondes sur celui-ci. Le prochain, ça sera le grimpeur. Un peu plus sur les abdos, un peu plus cardio que celui-ci. On repartira de la position pompe, cette fois-ci sur les pieds, pour ramener un genou après l'autre sous le corps proche du tapis. Attention à garder l'alignement, à ne pas remonter les fesses au fur et à mesure. Encore 10 secondes de récupération et on attaque. 5 secondes, vous allez pouvoir vous mettre en place. Donc position de pompe et c'est parti. Là, c'est plus cardio, on va accélérer un petit peu, mettre du rythme. Donc c'est à respirer. Ne faites pas le début de l'exercice en apnée. Allez, 15 secondes. On ne s'arrête pas, on ne ralentit pas. 5. 30 secondes de récupération. Le prochain exercice, ça sera des squats. Pour ajouter un petit peu de cardio, on va les faire sauter. Donc le squat de base, talon au sol, ça bouge pas, les hanches partent vers l'arrière, les genoux vers l'extérieur et on remonte. Pour que ça soit un peu plus cardio, on va rajouter un saut à chaque fois. Et c'est parti pour 30 secondes. Allez, à vous de jouer, enchaînez-les, les mains soit devant, soit vous pouvez vous aider pour sauter avec, soit vous pouvez les poser sur les hanches. À vous de voir ce qui est le plus confortable. Allez, 10 secondes. Si c'est trop difficile pour les 30 secondes, vous pouvez repartir sur des squats classiques. Et si vous avez l'énergie, pas d'excuses. Une récupération. 30 secondes. Ensuite, ce sera un exercice pour le dos que l'on fera au sol avec la serviette. Donc l'idée, ça va être de s'allonger à plat ventre, de partir écartement un petit peu plus large que les épaules, de ramener la serviette aux épaules et de tendre les bras. Sans reposer au sol, à aucun moment, gardez bien la tête dans l'alignement du corps pour 30 secondes, il en reste 15. Les dernières, ok, la récup. Vous pouvez rester au sol, le prochain ça sera du gainage. Bon. La récup devient de plus en plus courte, l'exercice de plus en plus long. La fatigue arrive petit à petit. Mais 3 tours ça passe vite, pas d'inquiétude. En place pour le gainage, donc sur les coudes, on va faire une belle planche. Et on va rajouter un petit peu de dynamisme en venant ouvrir et resserrer les pieds l'un après l'autre. Il y a une option un petit peu plus dure, on va sauter
les deux pieds en même temps. Attention à ne pas perdre cet alignement, pas de fesses en l'air et pas de dos qui creuse, surtout à la réception. Donc deux options, un pied après l'autre ou avec le saut. Ok, relâchez. 30 secondes de récupération. On va ensuite prendre le pack d'eau. Jambes, dos et cardio, le prochain exercice. On va combiner un soulevé de terre avec un tirage haut où on va tirer le pack au menton. Vous pouvez ajuster le poids du pack en enlevant ou en rajoutant des bouteilles. Et si vous n'avez pas de pack, prendre un sac que vous remplissez de livres, de conserves, de choses lourdes. Donc les jambes se tendent, les bras tirent ensuite. Donnez de la vitesse avec les jambes. Les coudes sont toujours au-dessus des mains. Ok, 30 secondes de récupération. Ensuite, ça sera les burpees. Plusieurs options pour les burpees. Première option, la plus facile, on est debout, on descend au sol en position pompe, les pieds l'un après l'autre, on se relève les pieds l'un après l'autre. Deuxième option, les deux jambes en même temps. C'est parti au fait, hein. Option plus compliquée, les deux jambes en même temps, on rajoute le saut. Option plus compliquée, on passe à plat ventre avec le saut. Allez, 10 secondes. Ok, soufflez. 30 secondes. Le premier tour est fait. Il en reste deux. Évidemment, si vous êtes à l'aise, vous pouvez en faire plus que 3. 5, 6, 7, à vous de voir. Moi, donc, pour la vidéo, j'en fais que 3. On va pouvoir se replacer déjà pour les pompes, ça passe vite, 30 secondes. Et c'est parti. Donc une pompe, on va chercher l'épaule au coude à chaque fois. Secondes, toujours les deux options possibles. Si à un moment vous n'arrivez plus sur les pieds, vous pouvez passer sur les joues pour terminer 30 secondes sans vous arrêter. 30 secondes de récup. Ensuite le grimpeur. Dans 10 secondes. Allez, en place pour 30 secondes. Et c'est parti. Allez. La moitié fait. Ok, relâchez. 30 secondes avant les squats, sauter. Reprenez votre souffle tranquillement. Et ensuite, allez, c'est parti. 30 secondes de squat sauté. Vous arrivez au sol et vous rebondissez tout de suite.
Les mains sur l'ange, ça peut bloquer un petit peu l'amplitude. 5 secondes. Ok. Si vous rapprochez du canapé, faites attention à ne pas tomber dans le piège et vous asseoir dedans. En place pour le suivant, au sol avec la serviette, 30 secondes, c'est parti, sans aller plus loin que les épaules, tirez pour écarter la serviette comme si vous voulez la déchirer. Vous pouvez poser la tête, vous la gardez décollée du sol, ça c'est à vous de voir. Et relâchez. Ensuite, ce sera le gainage avec les pieds qui bougent. On a passé la moitié. C'est la bonne nouvelle. Allez, en place pour le gainage. Et c'est parti. Donc toujours soit un pied après l'autre, soit les deux pieds en même temps. Allez, 3 secondes. Ok. 30 secondes pour souffler. Après, on repart avec le pack d'eau. 20 secondes, profitez-en. Dix petites secondes. Allez, mettez-vous en place et c'est parti. Donc les jambes donnent l'impulsion, les bras suivent. Et pour redescendre, d'abord les bras, ensuite les jambes. Les talons restent au sol. Les fesses en arrière pour garder le dos plat. Ok, 30 secondes pour souffler, puis les burpees. Le meilleur pour la fin. Toujours aux différentes options. Soit on passe à plat ventre, on se relève le saut, soit juste le saut, soit on décale les deux pieds en même temps, soit une jambe après l'autre. Vous pouvez aussi augmenter au fur et à mesure, aller de plus en plus dur. Ok, 30 secondes pour souffler et après ça on attaque le dernier tour, une dernière fois chaque exercice. Dans 15 secondes. On recommence avec les pompes, vous pouvez vous mettre en place et c'est parti, allez. Donc la pompe, on va chercher l'épaule opposée à chaque fois. C'est la dernière série. Vous pouvez mettre un peu de rythme, quelle que soit l'option. Vous pouvez accélérer.
Pas de pause pour cette dernière série. Allez chercher jusqu'au bout. Ok, ça c'est fait. Ensuite, 30 secondes sur le grimpeur. Un petit peu de récup d'abord quand même. Allez, mérité. 15 secondes. 10 secondes de récup. Ça passe plus vite que les 30 secondes d'exercice. Hein. Allez, on place. Et c'est parti. Pour 30 secondes, pas le droit d'accélérer, de ralentir. Seulement celui d'accélérer. Jusqu'au bout. Allez, la moitié de fait pour cet exercice. Cinq secondes, un sprint. Ok, relâchez. Ensuite, 30 secondes de squat. Le tapis s'en va. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les 5 dernières minutes. 5 derniers exercices. Et c'est parti pour les squats. Allez, vous cherchez à sauter le plus haut possible et à rebondir le plus vite possible. Si c'est trop compliqué, vous arrêtez pas totalement. Enchaînez avec des squats sans le saut. Si vous pouvez reprendre les sauts, allez-y. 3, 2, 1. Ok. 30 secondes pour souffler. Ensuite, l'exercice pour le dos. Plus calme au niveau du cœur. Vous pouvez tranquillement vous mettre en place. Et c'est parti, 30 secondes. En bonus, vous pouvez lever les pieds. Ça fait traîner un peu plus les lombaires et les fessiers. Celui-ci à vitesse contrôlée. Cinq secondes. Et relâchez-les. Le prochain, le gainage. On va avec trois derniers exercices. Encore 3 minutes pour 1 minute 30 de travail au total. Comme il y a 1 minute 30 de récupération. Il fait du bien pour le cœur cet exercice. Hein. On va redescendre un petit peu là avant d'attaquer la fin. Allez, c'est parti, le gainage. Toujours les deux options. Si vous étiez à l'aise sur la première, on décale les pieds l'un après l'autre. C'est le moment de passer sur la deuxième option avec le saut. C'est la dernière série. Ça serait bête d'avoir des regrets. Ne vous privez pas. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. Dernière série ensuite avec le Paxo. Dans 10 secondes, les deux derniers exercices. Allez, on place. Et c'est parti. Allez. Là, c'est le moment d'accélérer. Il reste moins d'une minute de travail maintenant.
10 secondes. Les coudes toujours au-dessus, la vitesse avec les jambes. Ok, relâchez. 30 secondes avant le dernier exercice, les burpees. C'est le moment de prendre l'option plus difficile que celle que vous faisiez pour les premières séries. D'arrêter de réfléchir et de vous lancer à fond. 30 secondes, ça passe vite. Vous aurez le temps que vous voulez pour souffler après. Alors c'est parti. Minimum cette option-là. En deuxième, l'option avec le saut. En troisième, la pompe et le saut. Déjà plus que 20 secondes. Secondes. 10 secondes. Le temps d'en faire un dernier. Ok, bravo. Vous venez de terminer 3 tours. Vous pouvez reprendre votre souffle 30 secondes et partir sur un quatrième tour. Vous avez encore de l'énergie, de la force. Ou alors, vous pouvez récupérer tranquillement, faire une séance d'étirement un petit peu plus tard ou le combiner avec un autre exercice, une autre séance pour le bas du corps, les abdos, le haut du corps. À vous de voir, vous avez trouvé tout ça sur la chaîne. Si vous allez dans les playlists, c'est rangé par catégorie. J'espère que la séance vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire avec vous. Ça m'a aidé à trouver la motivation par moment pour en faire une de plus. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, quelle séance vous aimeriez pour les prochaines vidéos. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine séance. Ciao.